Salut, c'est François à nouveau sur Epocoto et pour parler Youngtimer. Alors je suis sur le plateau Youngtimer parce qu'il n'y a pas que des voitures anciennes, que des scooters, que des voitures très anciennes, que des exposants avec des pièces, etc. C'est quand même très important parce que c'est la tendance et c'est des voitures qui sont sympas. Il y a d'autres voitures qui correspondent à la thématique Youngtimer un peu partout dans le salon, mais il y a cet espace qui est juste à côté de l'exposition scooter où il y a une Porsche 944 cabriolet, une Z3M cabriolet, une Barchetta, bien évidemment cabriolet, une MX5NB, un Spider 916, une Mini assez rare Arc de Triomphe, une ES2000, une Ferrari 355 et une Peugeot 306 cabriolet. Bon, juste un petit tour d'horizon comme ça pour vous parler et vous dire que cette expo elle est sympa, les voitures sont très belles, la thématique vous l'avez compris c'est le cab et surtout avec des produits de tout horizon et de tout budget aussi parce qu'on a de la Ferrari ou du Z3M qui commence à avoir une cote un peu importante mais aussi des voitures un peu plus basiques, simples comme la petite MX5 NB ou la Barchetta. Alors ce qui est sympa c'est aussi c'est que c'est justement une NB, ça, c'est vraiment la caricature de la Youngtimer et puis on a un Z3M cabriolet qui devient, qui tend à être une vraie voiture de collection. Moi, le focus que je voulais faire par rapport à ça, c'est plutôt sur la 306 cabriolet qui, pour moi, est vraiment très sympa. C'est une auto qui a été dessinée par Pininfarina. Une des dernières cabriolets qui n'était pas un CC, qui était avec un toit toile, qui a eu beaucoup de séries limitées, qui a une ligne absolument superbe, qui est une voiture que je trouve vraiment à un design absolument magique, avec des motorisations qui sont aussi très agréables, qui est un peu les derniers cabriolets un peu à la française qu'il peut y avoir aussi qu'il y a eu chez Peugeot. Et donc c'est une auto qui est vraiment très mignonne. L'exemplaire qui est présenté est absolument magnifique. Si je ne dis pas de bêtises, elle est en rouge Lucifer. En tout cas, c'est à venir voir. La Mini Arc de Triomphe est aussi absolument superbe et pas si courante que ça, car il y en a eu très peu de produites. Pour ceux qui ne savent pas, elle s'appelle Arc de Triomphe parce que c'était le concessionnaire Rover, qui fait encore aujourd'hui Land Rover, Range Rover à Paris, à côté de l'Arc de Triomphe, qui avait développé cette voiture, homologué cette voiture, et qui transformait dans ses ateliers cette voiture, donc une Mini classique qui devenait une cabriolet. Et puis quoi vous raconter d'autre? Bah, MX5, c'est un peu... Je suis un petit peu fan. C'est aujourd'hui le cœur de la passion Youngtimer avec des NA, celle avec les phares qui se lèvent. Et là, ce qui nous est présenté, c'est la deuxième génération où les phares sont fixes. C'est globalement la même voiture, mais elle a une petite évolution stylistique avec un arrière un petit peu, avec comme certaines Ferrari, avec en queue de canard et qui est allée en très bel état avec un vert anglais classique. Et puis la petite dernière, on va dire le petit dernier petit commentaire, c'est pour la Fiat Barchetta qui est présentée. Alors c'est une traction avant, c'est un petit peu une oubliée de la collection aujourd'hui, la Barchetta, mais en tout cas c'est vraiment une voiture très sympa, et surtout elle est présentée aujourd'hui dans un jaune, qui est très abarthe on va dire, et pareil elle est dans un état vraiment sympa, très sympa, et elle est à venir voir, c'est pas si courant que ça, surtout dans cette définition là, et dans cette couleur là, donc je vous le redis, vous voulez découvrir des Youngtimer et cette expo qui est très sympa, c'est dans le hall 6 à Epocoto jusqu'à dimanche. À bientôt.